Nous allons parler de choses un peu mystérieuses, à savoir la cabale à laquelle Julien Darman a consacré un grand livre, L'Esprit de la cabale aux éditions Albin Michel. Alors, c'est quoi l'Esprit de la cabale L'Esprit de la cabale en tout cas l'Esprit de ce livre, c'est d'essayer justement de démystifier un petit peu la cabale Parce que ce que j'ai constaté, c'est que quand on parle. Au non-juifs et surtout aux juifs qu'on prononce le mot de cabale, tout de suite il y a une réaction épidermique ⁇ Ah la cabale ça rend fou ⁇ la cabale c'est dangereux ⁇ on n'a pas le droit de l'étudier avant 40 ans, etc. Alors évidemment, quand c'est quelqu'un comme moi qui n'est pas encore une grande barbe blanche qui parle de ça, tout de suite ça suscite un petit peu la méfiance. donc L'objet c'était de démystifier tout ça, mais encore faut il comprendre pourquoi est ce que c'est important de démystifier la Kabbale. C'est important parce que la Kabbale, ça fait partie intégrante de la Torah et ne pas s'y intéresser sous prétexte que ça fait peur ou que ce n'est pas pour nous c'est se priver d'une part essentielle de l'enseignement de la Torah de l'enseignement de moïse et de l'enseignement de nos maîtres donc on va essayer de définir de manière très simple qu'est-ce que c'est que la cabale à partir de la Torah. La Torah, c'est quoi C'est un enseignement. La traduction de Torah, c'est un enseignement. Et comme dans tout enseignement, il y a différents niveaux. Il y a un premier niveau d'enseignement et puis il y a un enseignement supérieur. La cabale, tout simplement, on peut l'appeler un deuxième niveau d'enseignement dans la Torah qui, qui suppose, mais qui va au-delà de l'enseignement. Euh, ouvert à tous, explicite. On va appeler ça le pshat, d'avoir le sens simple. D'accord. Euh, la Torah, c'est tout simplement le deuxième niveau. Alors après, on peut discuter de qu'est-ce que c'est que ce deuxième niveau. C'est le niveau, et ce qu'on appelle, ésotérique. Voilà. Je veux pas prononcer des gros mots, mais c'est la distinction <laughs> entre ésotérique, c'est-à-dire ce qui, ce qui est réservé à des gens qui ont déjà acquis le premier niveau qu'on appelle exotérique. Tout simplement ça, comme deux phases d'une même pièce. Et à partir de là, on comprend que la cabale, c'est quelque chose qui existe dès la Bible. Parce qu'en réalité, on voit dans la Bible déjà que, par exemple, dans le livre de Samuel, il y a des écoles de prophètes. Or, dans une école de prophètes, on n'apprend pas que la lève bête Or, on n'apprend pas que le euh, schéma israël et choses comme ça, on apprend d'autres choses mais qui font aussi ça. partie de la question de la Torah. et on retrouve ensuite dans le Talmud des enseignements qui sont sous une forme manifestement codée. Tout ce qu'on appelle les agadots du Talmud, des récits qui sont parfois d'aspect un peu fantastique ou baroque, etc. Si c'est dans le Talmud, c'est qu'on vient pas de nous raconter juste des histoires merveilleuses. C'est pas Harry Potter. Bien il y a sûr. quelque chose derrière, mais il faut apprendre à le décoder. Pour dire quelques mots très rapides de c'est quoi cet enseignement euh, ésotérique ou secret de la Kabbale. C'est défini par le Talmud lui-même et c'est repris par tout le monde, au premier chef par Maïmonide, ce qu'on appelle Maase Bereshit, Maase Merkava. Tout simplement, Maase Bereshit, l'œuvre du commencement ou de la création, c'est d'essayer de comprendre comment s'est déroulée la création du monde, quels sont les paramètres de la création du monde, et donc de là. Comment fonctionne véritablement le monde dans son rapport à Dieu Ça, c'est le premier enseignement, le premier niveau de la Torah, c'est ça. Maasé Bereshit nous raconter l'histoire. Il y a, dans Maasé Bereshit, il y a un aspect narratif. On va nous raconter, c'est le paracha qu'on a lu à la fin de la fête de Sukkot, la première paracha de la Torah. On nous raconte apparemment comment est-ce que Dieu a créé le monde en sept jours. Alors, tous les commentateurs disent, mais finalement, ce texte-là, il est Incompréhensible. rachid lui-même, rachid il dit, ça m'a frappé quand, quand je l'ai lu, il dit, ce texte-là ne vient absolument pas nous enseigner l'ordre dans lequel les choses ont été créées. Pas la chronologie. C'est pas une chronologie historique. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Narmanid, qui est un grand commentateur du XIIIe siècle espagnol, dit, en réalité, on l'a mis là parce que on avait besoin de le mettre, mais c'est un texte entièrement codé et c'est réservé à des gens qui ont reçu des informations spécifiques pour pouvoir le décoder. Maas et Bereshit, comment fonctionne le monde véritablement? Et ensuite, deuxième niveau à l'intérieur de la Kabbalah, Maas et Merkava. La Merkava, c'est le, le char divin de la vision d'Ézéchiel, c'est-à-dire la façon dont Dieu se manifeste dans le monde. Et donc, Dieu se manifeste dans le monde euh, par en particulier, la prophétie se manifeste par l'inspiration divine, donc à travers l'âme humaine. Et donc, c'est tout le rapport, non pas entre le monde et Dieu, mais entre l'homme et Dieu et entre Dieu et l'homme. Et finalement, la Kabbale, de manière très large, c'est ça. C'est tout simplement quels sont les rapports qui régissent les interactions entre l'homme, Dieu et le monde. Alors, à partir de là, il peut y avoir différentes réponses. Et quand on dit. Oui, il ne faut pas étudier la Kabbale avant 40 ans. Ce qui est très intéressant, c'est qu'en réalité, cette interdiction n'a pas été formulée à l'origine à l'encontre de la Kabbale. Ah bon. À l'origine, en tout cas, la formulation la plus claire qu'on voit, c'est chez euh, le Rajba, Rabbi Shlomo Ben-Aderet, qui était le successeur de Narmanid à la tête du judaïsme catalan. Et qui était aux prises avec des philosophes maïmonidiens. Ils s'opposaient à la Kabbale. Ils s'opposaient à la Kabbale, mais en réalité, on ne peut s'opposer que quand on est sur le même terrain. Ah. D'accord? Il n'y a pas de match entre une équipe de basket et une équipe de foot. D'accord. Il faut qu'on joue au même jeu pour qu'il puisse y avoir une opposition. Et en réalité, Maïmoni lui-même avait dit, oui, eh bien, la tradition ésotérique du judaïsme qui est encodée dans les textes bibliques, dans les agadot talmudiques, cette masse -me et ma -e Merkava, ce sont les enseignements de la philosophie. C'est la cosmologie ah bon. aristotélicienne et c'est la théologie et la psychologie aristotélicienne. Et à partir de là, vous aviez dans le siècle qui a suivi beaucoup de, de, de juifs, en particulier des jeunes, qui s'adonnaient avec passion à la philosophie aristotélicienne maïmonidienne parce que c'était ça le sens caché de la Torah, et qui délaissait complètement tout le reste. Mmh. Et la pratique des commandements, et l'étude du Talmud, et l'étude du sens simple de la Bible. À partir, il y a eu plusieurs controverses maïmonidiennes très dures, avec l'intervention des autorités de l'Église chrétienne, qui étaient sollicitées par les uns et les autres pour faire condamner les thèses, on a brûlé des livres, etc. Donc, Rabbi Shlomo Ben Adérette, au bout d'un moment a dit, ça suffit. L'étude de la philosophie maïmonidienne est légitime, mais avant ça, il faut que les gens aient déjà les idées bien en place sur le premier niveau d'enseignement de la Torah avant d'aller au deuxième niveau. Et donc, on interdit l'étude de la philosophie avant 20 ans. À quel siècle arrive la Kabbale Alors ça, c'est une question très difficile de dire à quel siècle arrive la Kabbale, parce qu'en réalité, comme on le voit, c'est déjà présent en filigrane depuis très longtemps, si on oui. pense en général. Les, les textes majeurs de la Kabbale apparaissent historiquement entre la Provence et la Catalogne, et puis l'Espagne, entre, on va dire, le XIIIe et le XIVe siècle. Le phénomène qu'on observe, qu'on observe aujourd'hui et qu'on observe déjà à l'époque, c'est que ça attire beaucoup les gens, ça fascine. Et donc, ça fascine en particulier les jeunes, et des jeunes qui n'ont pas forcément. La maturité est tout simplement le bagage culturel, savant pour pouvoir aborder ça, et qui donc sont vulnérables à toutes les grandes déclarations et les mystifications, justement. Donc, le, le rôle des rabbins, parce que, que ce soit, comme on l'a dit, le Rajba ou Narmani d'avant, ou les autres kabbalistes et rabbins après, ce n'est pas d'interdire la kabbale, parce qu'en réalité, tous les grands rabbins, tous les grands sages du judaïsme, à toutes les époques, dans toutes les régions, ont été aussi des kabbalistes. Euh, leur idée, c'est de dire, attention, faisons les choses avec mesure. Déjà, quand on a euh, 12 ans, 15 ans, 20 ans, déjà, on maîtrise bien euh, le Pentateuch, les commentateurs classiques, le Talmud, euh, le Talmud la Halacha, savoir ce qu'on a droit de faire. Avant de vouloir connaître les secrets cosmologiques de Shabbat, sache déjà comment ça fonctionne Shabbat, ce qu'on a droit de faire, ce qu'on n'a pas droit de faire. Surtout que c'est lié, c'est intimement lié, puisque c'est la face cachée de la Torah. Mais c'est comme les deux faces d'une même pièce. Si on ne connaît pas une face, on ne peut pas comprendre la signification de l'autre face. Au milieu du XVIIe siècle, un dénommé Shabbat Aïtsui, qui vivait dans l'Empire Ottoman, et qui était un type euh, au comportement un peu bizarre, euh, qui pouvait parfois se comporter comme un saint euh, et un ascète. Bon, Shabbat Aïtsui, c'était quelqu'un comme ça. Et un jour, il a décidé qu'il était le Messie. Et il a trouvé des gens, notamment des kabbalistes. Nathan de Gaza. Nathan de Gaza, qui est un grand kabbaliste. Oui, Or, oui. Il a une réputation noire oui. après ça, parce qu'il est devenu le prophète du faux Messie. Mais ça. à la base, c'est un kabbaliste euh, très compétent. Et quand il a passé des examens avec des, des collègues kabbalistes... Ça, il n'y a rien à redire sur, sur ses connaissances. donc lui l'a poussé l'a encouragé dans son délire j'ai envie de dire et comme ce Shabbat suit après avoir suscité pendant une petite dizaine d'années d'immenses espoirs dans le monde entier que? On le prenait pour le Messie. On prenait pour le Messie. On déclarait c'est le Messie, il faut faire teshuva, il faut se repentir, il va faire tomber le sultan, il va nous emmener en Eretz Israël, ça va être merveilleux. Tout ça jusqu'à Amsterdam, jusqu'à Marrakech, etc. Et ce Shabbat s'est converti à l'islam. Catastrophe. Alors il y a beaucoup de gens qui l'ont pas su, qui ont dit bon, ça y est, c'est fini, encore un espoir déçu. Et puis il y a un petit groupe qui a continué à croire en lui. C'est les deux alors, les mai c'est le groupe le plus extrême. Oui. Eux, non seulement, ils ont continué à croire en lui, mais ils se sont convertis à l'islam à sa suite, ah oui. de, de façade, tout ah en oui. continuant, en fait, à pratiquer une religion qui n'était plus vraiment le judaïsme, qui n'était pas vraiment l'islam, qui était le sabbataïsme. Et ces gens-là ont été très actifs pendant très longtemps, c'est-à-dire jusqu'à pratiquement à la fin du XVIIIe siècle, en particulier en Pologne, en Lituanie, en Russie, et euh, c'était euh, c'était vraiment une secte avec des tactiques sectaires qu'on appelle les sabbatianistes. Voilà les sabbatianistes ou les sabbatéens, ou plus particuli en particulier des crypto cest c'est-à-dire des gens qui faisaient qui faisaient comme s'ils étaient juifs euh, classiques, et qui en réalité étaient des missionnaires et qui allaient voir les gens dans les synagogues en leur disant mais le, vous voyez comme on voit aujourd'hui dans d'autres religions d'autres euh, phénomènes où on va voir les jeunes dans les synagogues, on leur dit ⁇ Mais le rabbin, il raconte n'importe quoi, le Talmud, on s'en fiche, c'est des histoires de vieux. La vérité, c'est la cabale. Et la vérité de la cabale, c'est que Shabbat Aïti, c'était le vrai Messie. Donc il y avait toute cette propagande-là, qui a aussi créé d'immenses déchirements. Donc c'est en particulier dans cette ère ashkénaz-là qu'on a mis des restrictions encore plus importantes à l'étude de la cabale. ⁇ et c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui, c'est ce dont on hérite aujourd'hui de cette idée que finalement la cabale c'est dangereux, parce que ça tourne la tête des jeunes, parce que ça va te rendre fou, parce que tu vas rentrer dans une secte, et parce que tu vas finalement abandonner la Torah. Donc ça fait peur aux gens, parce qu'il y a ce passif-là. Mais s'il si y a cette force-là, c'est parce que il y a aussi une légitimité, parce que la cabale elle vient explorer de manière légitime, à l'intérieur de la Torah, cautionnée par les plus grandes autorités rabbiniques de toute l'histoire juive, des questions essentielles. C'est-à-dire, finalement, voilà, comment est-ce que Dieu il est présent dans le monde euh, Quand on nous dit, la Torah, c'est quoi C'est la parole de Dieu. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire, Dieu parle Comment est-ce que l'homme peut être réceptif à ça Plus encore, on a la prière. La prière, c'est l'homme qui parle à Dieu. C'est l'homme qui demande à Dieu de changer le monde pour lui. Donc, c'est quelque chose quand même de formidable. Ça, au-delà de la pétition de foi, que dire, bah oui, la prière, ça marche. Comment ça marche? Et comment ça se fait que on constate que souvent ça marche pas? Mmh. Alors, pourquoi est-ce que la prière marche pas? Est-ce que c'est notre faute? Est-ce que c'est la faute de Dieu, etc.? C'est des questions qui sont, c'est pas juste des questions théoriques, c'est des questions qui sont très, très importantes pour la vie religieuse des gens. Eh bien, je vous remercie. Vous nous avez donné envie de comprendre l'esprit de la cabale et donc je me vois obligé de vous inviter à une seconde émission pour définir ce que c'est que l'esprit de la cabale merci messieurs dames merci